En lien avec l'exposition Le regard d'Hélène, nous avons décidé avec Jean-Marie Dautel de faire éditer un ouvrage qui soit un outil de réflexion sur les liens de la peinture et de la photographie dans ma démarche et plus largement dans l'art contemporain. Différents auteurs se sont ainsi emparés de ce sujet. Dominique de Fonréau, conservateur général au musée du Louvre, Liliana Albertazzi, docteur HDR et professeur d'esthétique, Régis Cotentin, chargé de l'art contemporain au Palais des Beaux-Arts de Lille, Sonia Cheval-Florian, docteur en sciences du langage, Héloïse Conessa, chargée de la collection de photographies contemporaines à la Bibliothèque nationale de France, Jean-Marie Dautel, chargé de conservation en photographie au Palais des Beaux-Arts de Lille, et Héloïse Pocry, écrivaine. Tous sont animés par une connaissance intime de l'art pictural, photographique ou vidéo, qu'elle soit critique, théorique ou historique. Soutenue financièrement par la région Hauts-de-France, le Palais des Beaux-Arts et la Ville de Lille, cette publication, intitulée Hélène Marcose, l'empreinte du temps, est éditée par Invenit.